Alors moi ce que je vais présenter c'est HAL, Hypertext Application Language, c'est un MediaType et on va voir pourquoi et comment il faut l'utiliser. D'abord on va faire une API Hypermedia, qu'est-ce que c'est, le MediaType HAL, les outils Node.js pour faire du HAL, et ensuite une petite démo si j'y arrive sur HAL Browser pour naviguer facilement dans son API. Alors une API Hypermedia, qu'est-ce que c'est et ça vient d'où? En gros, le succès du web, c'est HTTP et HTML, et dedans, il y a Hypertext, hein. quelque chose, je n'ai pas envie de dire, vous les connaissez normalement. Dans HTTP, en fait, c'est un user agent et un serveur, par exemple un browser et une JS, hein, qui communiquent d'habitude d'un côté à l'autre, et ça peut être un crawler, un web spider, ça peut être un process node, ça peut être ce qu'on veut. Les méthodes, il y en a qui sont définies, ça ne change pas et elles font généralement à peu près la même chose. Les metadata, c'est dans les headers. Ensuite, les status code, c'est les codes qu'on connaît bien, qui commencent par 1, 2, 3, 4, 5 en fonction de son source. Ensuite, on a HTML pour naviguer dans les liens parce que, effectivement, le web, c'est l'hypertexte. On navigue de document en document et de média en média. C'est pour ça que ça s'appelle hypermédia. Après, on a les formulaires GET et POST limités dans les browsers pour pouvoir faire des actions. Comment on fait une API hypermédia? En fait, une API hypermédia, c'est juste une autre façon de dire REST, même si le terme REST a beaucoup été galvaudé ces derniers temps. Parce que c'est un mot hype et que tout le monde sait à peu près de quoi on parle quand on dit REST, alors qu'en fait, c'est pas exactement ça. L'auteur, c'est Roy Fielding. Il a fait ça pour une thèse, en même temps plus ou moins que HTTP 1.1. Donc en gros, si ce que je vais vous dire, ça vous dit quelque chose, c'est parce que c'est un peu la même personne qui, enfin, entre autres, qui a fait les deux specs. Qu'est-ce que c'est une API REST en fait? Il y a six contraintes majeures. En gros, comme ce que je vous ai dit, c'est un client, un serveur qui communique. C'est stateless, les requêtes doivent être indépendantes. En gros, FTP par exemple, c'est pas stateless. Parce qu'on crée une session, on fait des commandes et on est quelque part dans l'application. Et si on se déconnecte et on se reconnecte, on perd tout. HTTP. Enfin, une API REST plutôt, au contraire, on fait des requêtes, elles sont complètement indépendantes et il n'y a pas besoin au serveur normalement de se souvenir de la personne qui fait la requête. Pour le cache, ça permet d'être scalable. En gros, il y a des requêtes qui vont être faites 10 000 fois, ça ne sert à rien de la recalculer si elle ne va pas changer en fonction de l'utilisateur. Et donc voilà, scalabilité et performance grâce au cache. Une autre contrainte, c'est le système en couche. En gros, HTTP, enfin une API REST, parce que ça se ressemble tellement en fait que voilà, on peut interchanger HTTP et le web, et l'API REST la plus grosse qui puisse exister pour l'instant, et elle existe depuis 30 ans à peu près. Et donc le système en couche, en gros, c'est on a un serveur. On a un client, et le client, il s'en fiche complètement de qui il parle. Il peut parler à un serveur de cache, un proxy ou un firewall. De toute façon, lui, il a juste besoin d'une réponse. Et il y aura peut-être quelques données dans les metadata, donc dans les headers, qui vont changer, mais lui, qui parle du serveur directement ou pas, il s'en fiche complètement. Le code of domain, c'est la seule contrainte qui est optionnelle pour faire du bon reste comme il faut. En gros, quand le serveur envoie un document à un client, le client il va pas forcément avoir les capacités de comprendre le document ou de savoir ce qu'il faut faire avec. C'est à ce moment-là qu'on peut lui envoyer du code. J'ai fait exemple JavaScript parce que c'est ce qui est utilisé le plus, mais ça peut, dans le temps, je ne sais pas s'il y a des gens qui le font encore, mais ça pouvait être une applet de Java. Ça existe peut-être, je ne sais pas. J'en ai pas entendu parler il y a longtemps. Et ce genre de choses. Donc ça permet de prendre une réponse et de faire des choses en plus en se limitant pas à juste un document HTML si c'est ce que renvoie le serveur.
La dernière contrainte, c'est l'interface uniforme. Et c'est presque la plus importante, mais celle qui est la moins bien comprise. En gros, une interface uniforme, ça veut dire qu'on a un set de méthodes qui ne change pas. On a des métadonnées et des codes standards. Ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, c'est HTTP. Cette contrainte, en fait, elle est subdivisée en différentes contraintes. Dans une API REST, en fait, on essaye d'identifier des ressources qui sont identifiées avec des URI. Ça permet quoi ? Ça permet d'avoir des objets, en gros, la donnée, et qui restent tout le temps à un même endroit. Ce qui fait que si la donnée change, il y a moyen toujours de la récupérer avec la même URI. C'est plutôt pratique. La représentation des ressources, en gros, on ne manipule pas la donnée directement. On ne va pas aller dans votre base de données et bidouiller là-dedans. Non, le serveur il envoie de l'HTML, du JSON, etc. Et il vous dit, voilà, vous pouvez faire ça ou pas avec ce message. Les messages doivent être autodescriptifs. Tiens, MediaType, ça rappelle un truc. C'est normal, c'est dans le nom de la présentation. Je vais en parler après. Et ensuite, tiens, un autre mot qu'on connaît, hypermédia. C'est le moteur de l'état de l'application. En anglais, je ne vais pas vous faire le signe, mais c'est 8OS. En gros, ça veut dire que hypermédia, je vais faire un petit rappel, c'est je clique sur des liens et ça m'amène vers des médias, donc du texte, de la vidéo, des images, etc. Et ça, ce que ça permet de faire, en fait, dans FTP, on fait des commandes différentes. Ça fait bouger l'application. Dans HTTP, REST et HTML, on clique sur des liens et ça fait bouger l'application. Sauf qu'on peut venir de n'importe où. On peut venir de n'importe où, en fait, comme les requêtes sont indépendantes, et ben on arrive quand même à avoir un état de l'application stable. Alors, on va peut-être parler de ce que c'est, en fait, HAL, parce qu'on est là pour ça. Qu'est-ce que c'est le MediaType HAL? En gros, ça a été fait par Mike Kelly, qui est un mec super fort, parce qu'il fait que des API, il aide les boîtes à en faire. Le MediaType, finalement, c'est un standard et ça permet de définir clairement de quel type de données on parle. En fait, c'est un grand nom pour pas grand chose, on connaît tous text/html, application/json, image.png et vidéo ABI. Tout ça, ça permet de dire, dans les headers, voilà, je te donne tel type de réponse et normalement, si tu es un navigateur ou un crawler ou un client HTTP normal, tu devrais savoir ce qu'on peut faire avec. C'est pas trop. Les médiatypes, il y en a des officiels et des officieux. Les officiels, HAL en fait partie, text.html, etc. Ils en font partie aussi. Les officieux, c'est des gens qui font leur API de leur côté et qui en inventent. Mais ça permet de définir quel type de données on a. J'ai mis des liens pour la documentation de HAL, en fait j'en ai pas encore trop parlé. Il y a la documentation développeur et aussi un draft pour la RFC pour devenir un standard. Hop. Bon alors HAL, on va finir par en parler quand même. Donc comment on fait du HAL, même si normalement vous devriez savoir ce que c'est à peu près, c'est une façon de présenter de la donnée. Comment on en fait concrètement? En gros, dans les headers, on met content.tag.application/hal+json. Voilà, comme ça, le client, il sait que c'est du HAL, la réponse. Dans le body, c'est du JSON. On met un JSON normal, comme vous avez l'habitude de faire dans une API JSON, si vous avez l'habitude de faire une API JSON. Et ensuite, on a deux attributs optionnels. On a underscore links, qu'on met à la racine de la ressource, et underscore embedded. Alors, links, c'est des liens. Ça a été basé, comme c'est de l'hypermédia, ça a été plus ou moins basé sur de l'HTML. En gros, c'est des liens vers des actions ou des contenus accessibles. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une ressource, ça peut être ce que vous voulez, une personne, ça peut même être une ressource qui représente une image, mais en JSON. Il y a de la donnée, elle a telle taille, ça représente quoi? Bon, vous mettez ce que vous voulez. Et il y a peut-être des choses qu'on a envie de savoir sur cette donnée ou des ressources externes qu'on va envie d'avoir dans notre application pour faire avancer le bousin. Ça peut être un objet ou un tableau.
Et ensuite, il y a des attributs qui sont mis dans la spec qu'on peut utiliser ou non. Underscore embed, ça permet d'avoir les ressources sans passer par les liens. On peut faire du caching hypermédia, pareil, objet ou tableau, ça on va le voir plus tard. Et c'est des ressources en fait complètes ou partielles. Ces ressources-là, elles sont en rapport avec la ressource actuelle. C'est-à-dire qu'on est sur un lien, on reçoit une réponse. Et ben, si on avait envie de mettre de la donnée sans passer par le lien, sans faire des requêtes en plus, on pourrait les mettre dans un embed. Voilà. Alors, ça ressemble à quoi? En fait, le moment préféré de la présentation, c'est que c'est M. Shalamayaman. En gros, voilà, depuis le début, vous voyez du HAL. Bon, je pense que vous en doutiez un petit peu. Mais voilà, on a un JSON normal avec titre et contenu. Parce qu'il fallait mettre quelque chose, on ne pouvait pas mettre que des choses HAL. Et ensuite, on a underscore links. Ça ressemble à quoi? En fait, c'est un objet avec des clés. Les clés, en fait, ça représente rel égal dans HTML. Voilà, je n'ai pas forcément d'exemple en tête là, parce que je ne trouve pas. Rel égal nofollow, ça ne veut pas dire grand chose. Mais il y a des rels super sympas. Il me semblait qu'il y avait une liste quelque part. En gros, Yana, c'est une entité qui liste les relations de liens. C'est vachement utile. Et par exemple, auteur, c'est une relation standard qui permet de dire voilà, cette ressource-là, elle a un auteur et vous pouvez aller le choper sur ce lien-là. Donc voilà, en gros, underscore links, il y a self qui représente l'URL courante. C'est sympa d'avoir ce genre d'URL, c'est totalement optionnel, hein, tous ces trucs-là. Mais c'est quand même sympa quand on fait du cross-site. En gros, si on fait une requête vers un autre serveur, et ben on pourrait avoir besoin de savoir quelle URL on a requêté pour avoir cette ressource-là. Donc ça, on a ça dans self. Après, author et next, tout ça, c'est des trucs standards. Ça permet de naviguer un petit peu dans l'application. Si on avait envie d'aller sur la page auteur de cette ressource-là, on pourrait naviguer très facilement et continuer sa vie dans le web. Underscore embed, et ben en fait, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt, si on n'a pas envie de faire les requêtes, on peut mettre ça dans embed, et ça permet de gagner des points niveau réseau. Là, en gros, auteur, ben, on a un nom, un titre de personne, et après des links, parce que oui, les ressources, en fait, vous avez des ressources HAL. Donc on continue d'embed. On peut faire ça ad vitam aeternam, c'est-à-dire que si on avait envie, on aurait pu mettre un underscore embed de cet auteur-là, et dire par exemple children, et voilà, mettre tous mes enfants dedans, et continuer ces children-là, s'ils avaient des relations, on pourrait continuer d'embed. Et ensuite, tag, qui est une autre relation standard, qui pour dire, on a un tableau, ça se voit pas forcément super bien, mais c'est pour dire que tout ça, on peut en mettre plusieurs si on veut. On n'est pas obligé de faire juste un seul objet. Et donc là, ce que ça veut dire, c'est cette ressource-là, qui est cette présentation, elle parle d'hypermédia, donc on peut mettre des liens supplémentaires, externes ou pas, vers des autres ressources. Voilà, next. Pourquoi il faudrait faire du HAL? Parce que il y a beaucoup de monde qui a l'habitude de faire du JSON dans les API. D'un point de vue client, bah, c'est une seule syntaxe. Si on utilise ça dans un browser, il y a beaucoup de plateformes différentes et c'est un peu ubiquitous en français, BangTech, je ne sais pas trop. C'est en ubiquité partout le JavaScript et donc les interpréteurs JavaScript, on en a partout, on en a même dans les voitures, ça se trouve, et dans les cafetières aussi. Et donc ça permet d'utiliser du JSON dont on a l'habitude et de juste augmenter un petit peu avec quelques propriétés en plus. Et puis voilà, on a une API hypermédia. Hypermédia, je ne sais plus ce que j'ai écrit là, donc je ne vais pas forcément essayer de décrypter. Série Discovery, ah oui d'accord, pourquoi il faut faire l'hypermédia? Forcément. Non, point de vue serveur, j'ai zappé ça. Serveur, bah, parce que c'est en natif, il y a de plus en plus de monde qui font du Node.js. Vous êtes la preuve que c'est vrai. En Python aussi, le JSON est natif, c'est-à-dire qu'on peut mettre du JSON dans du Python, ça marche aussi. Et ensuite, base de données, ben, y a aussi des bases de données qui utilisent le JSON nativement.
Et donc ça donne MongoDB ou PostgreSQL, il me semble. Et il y en a peut-être d'autres, CouchDB aussi. Pourquoi faire l'intermédiaire? Parce que ça permet de faire du service discovery. En gros, à partir d'une ressource, on peut savoir tout ce qui est en relation avec cette ressource, et ça permet de ne pas avoir les liens dans l'application. En gros, s'il y a des liens qui changent ou pas, ça permet de ne pas avoir à changer le client. En gros, Google fait ça très bien dans leur API Node.js. Il y a juste un seul client Node.js pour toutes les API Google, à peu près, il me semble. Et du coup, il y a juste à faire, moi je vais utiliser l'API Gmail, ou alors je vais utiliser l'API Google Street Map, etc., etc. Et en fait, il n'y a qu'un seul client, et si les API changeaient, le client n'aurait pas besoin de changer, ce serait la même API. Voilà. C'est pas forcément très clair ce que j'aime bien. Là, je ne suis pas forcément très étoffé, hein, vous voyez, il y a pngs.com. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, en HAL, il y a à la fois assez de choses pour faire du HAL sur Node.js, et en même temps, il n'y en a pas tellement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément super bien compris, même si Philly a écrit ça dans les années 2000, ça fait 15 ans. Et du coup, tout le monde ne comprend pas forcément l'avantage d'utiliser ce genre de choses. Et si vous n'avez pas compris après ma présentation, je ne jetterai pas la pierre, parce que je n'ai pas forcément été super clair. Mais voilà, mais sinon, il y a quand même moyen d'en faire. Pour parser et builder du HAL, il y a tout un tas de bibliothèques, de modules. Ça permet de vérifier si le HAL est correct ou pas, ou alors de construire séquentiellement ou programmatiquement plutôt. Des middleware, si vous faites de l'Express du Koa ou de l'API, il y a tout ce qu'il faut. Ça vous permet de formater correctement sans avoir à vous écrire tout l'objet JSON et les underscores à la main. Et ensuite, des clients Hypermedia qui sont assez sympas. Il y a Traversant et HyperSpider. Moi, personnellement, quand je fais une API, je fais du HAL, moi, par défaut, parce que j'aime pas faire du front et généralement, je donne du JSON au fronteux et il se débrouille avec. Et du coup, ce que j'ai l'habitude de faire, si c'est possible, il y a toujours moyen, c'est de créer un petit crawler avec ce genre de module, créer un petit crawler de mon API et traverser à peu près tous les liens. Et en gros, ça me permet de voir, tiens, est-ce que j'ai un lien qui pète ou pas. En gros, c'est un peu le monkey, le monkey qui tape un peu n'importe où sur le clavier, sauf que là, c'est pour les liens, et du coup, il va un peu n'importe où, et il arrive à essayer de péter ou pas votre API pour voir si tout est stable ou non. Ça, c'est plutôt sympa à faire. On va peut-être passer à la démo de HAL, de HAL Browser. Quand on fait une recherche Google, il y a moyen de tomber sur des HAL Browser, justement. C'est des gens qui exposent leur API avec un HAL Browser. C'est un peu à la Swagger, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, Swagger, ça permet de cliquer par-ci, par-là et de faire des requêtes. Là, voilà, c'est un peu la même chose. Donc, si vous êtes intéressé par HAL et voir quelles API utilisent ce genre de truc, vous pouvez taper HAL Browser dans Google, c'est une petite astuce. En français. Et sinon, Mike Kelly. Oui. Ça, c'est pas mal. Vous voyez ? Ouais, c'est pas mal. Mike Kelly, le créateur de HAL. Il a créé aussi un HAL Browser qui permet justement de faire tout plein de trucs sympas. Et c'est pas du tout préparé. Et donc en gros, là on a l'API avec les headers et le body et les propriétés. Ça c'est le body du. C'est le body sans le truc HAL dedans. Donc sans links et embedded. En gros, ça me permet de voir exactement la ressource. Je vais m'asseoir. La ressource directement. Vous savez combien de temps il reste ou pas? Ils sont partis, ils sont ailleurs. C'est pas grave, je continue, on a un train. Profitez-en. On a faim. Ouais, mais elles sont pas là, les pizzas. Et du coup, donc là en gros, c'est la ressource. C'est, si vous ne faisiez pas de HAL, c'est l'objet JSON que vous retourniez d'habitude. Welcome, in, machin, on met ce qu'on veut. Et ensuite, on a les liens. Là, les liens ils sont présentés de telle façon qu'on peut faire des quêtes dessus. Et donc, en gros, les liens, on les trouve ici. Donc, il y a self, queries, users, sign up, ouais, parce qu'on peut faire un sign up, on peut faire tout ce qu'on veut.
et les derniers postes. Voilà. Donc ça permet, c'est ma confiance, ça permet de naviguer dans l'API. Par exemple, si on avait envie d'aller vers les users, voilà, j'ai juste à cliquer, la requête, et voilà. Et donc en gros, là, on n'a rien. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi ? Parce que en fait, les users, c'est un ensemble de ressources. Et comme j'ai dit qu'on pouvait mettre des choses dans l'embed, et c'est pas ce qui est fait en fait. Hein. Parce que c'est dans les links, ah ah, mais il faut ça qu'on peut parler. En gros, là, il met chaque user dans les links. Voilà, donc là, on a une propriété user, c'est un tableau, et c'est un tableau de liens. Donc voilà, on a un titre qui permet de donner une petite info sur l'URL, et un href qui permet d'aller visiter les users différents. Voilà, il y a le créateur en premier, index 0. On peut aller dessus, on clique. En gros, une API, ça permet de faire du web, mais avec de la programmation. Voilà. Ça permet de mettre des liens dedans sans trop s'embêter. En gros, là, on a l'utilisateur Mike, ou BioNul, parce qu'il n'a pas voulu mettre. Il était un peu discret. Voilà, c'est notre objet JSON comme d'habitude. Curies, je vais pas vous en parler parce que même moi j'y comprends pas forcément. C'est un peu comme de la doc sur les liens en fait. Et ensuite on peut aller dans les posts de cet utilisateur. Est-ce qu'il a dit des choses de très intéressantes? Voilà, là on va voir quelque chose d'intéressant. Donc on a toujours les liens. On a self, curies et auteur. En gros, quel est l'auteur de ces posts-là? Ça pointe vers, vous en doutez, Smack Kelly. Et en gros, là, on a une partie embedded resources. Ce qu'il dit, c'est, bah voilà, dans embedded, on a la relation comme si on avait dans links, et ensuite les ressources, c'est-à-dire le JSON, comme on a l'habitude, plus les links. En gros, ça, c'est un post qui a été mis dans embedded au lieu de retourner les posts dans un tableau directement. Ça permet de dire, eh ben, ce post-là, le self, c'est cette URI-là. Ce poste-là, ça ne sert à rien d'aller dessus directement. Si tu comprends ce que je te retourne dans Embedded, ça ne sert à rien d'y aller directement parce que je te le fournis déjà. Voilà. Et donc voilà, on a un objet dans Embedded avec un self, un auteur et une reply to si c'est une réponse à un autre poste. Et donc voilà, awesome, good to see someone figure, etc. Il a réussi à faire un poste en gros. Et donc ça répond à quelqu'un qui dit « à du fun », etc. Si on voulait créer un post, on va aller là-dedans, par exemple. On va aller dans ses posts à lui. Voilà. Donc là, on est sur slash user, slash manu, slash post. Est-ce qu'il y a moyen, peut-être, de faire un post là-dessus ou pas? Je ne sais pas. En gros, on va aller dessus à la main. Ce qu'il ne faut pas faire en habitude, non, c'est pas user, c'est post. Pour créer un post, ben, généralement on a l'habitude de faire un post. Ça ne marche pas. Parce que c'est 404. D'accord. Je ne sais plus exactement comment on crée des. On peut peut-être retourner sur. Là c'est le naufrage en direct. Latest post, ça doit être ça. Donc en gros, pour créer des posts, il faut peut-être être auto-authentifié en fait, c'est ça. Mais voilà, en gros là je vous ai présenté le get, il y a au moyen aussi de faire des non-get. En gros on dit quelle méthode, voilà, il faut le taper à la main, sur quelle URL, avec quel header et quel body. En gros, s'il fallait créer un post, on ferait ça comme ça. Je vais arrêter le naufrage, je vais vous présenter les... Ah oui, parce que... Je vais rien vous présenter. Hop. On va y aller comme ça. Ouais, parce qu'il n'y a pas de. Quand on est dans A, les conflits, et on ne fait pas un nouvel onglet, on se pousse taper. Non, parce qu'on connaît la main. Hop, outro, point, user, look, et voilà. Voilà, c'est quelques ressources supplémentaires. Si vous voulez creuser un petit peu, c'est vachement intéressant, surtout la partie hypermédia. Al, c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire avec l'hypermédia. Il y a vraiment pas mal de choses. Il y a un talk de Virginie Bardales qui a fait le talk à Node.js. C'était très intéressant, même si ça dure 40 minutes, mais c'est une conf qu'il faut regarder. Voilà. Si vous avez des questions, s'il y a le temps, je ne sais pas. Rapidement. Rapidement.
Merci. Alors, c'était des questions. Il a fait le tour des questions. J'ai envie de parler ce soir. Sérieusement, tu as présenté HAL avec quelques mots-clés du vocabulaire disponible, comme underscore links ou underscore embedded. Et pour les liens, les links, title href, templated et name, je crois, si j'ai bien retenu. Il y en a plus, d'accord. Tu as montré des exemples où vous utilisez ht2.post, ht2.auteur, alors que parfois c'était juste auteur ou parfois juste post. Est-ce que ce vocabulaire, cette ontologie, on va dire, elle est clairement définie ou pas? Enfin, est-ce que tu peux nous en parler? C'est justement ce dont je voulais pas parler, les curies. Non, mais si je peux en toucher deux mots. En gros, c'est une sorte de namespace. Voilà. En gros, tu as le namespace ht parce que là, c'était altox. Voilà, son API, elle s'appelle altox, ht. Et en gros, un users, ça peut être un ht2.users. Ça peut être un Google2.users, etc., etc. En gros, c'est plus ou moins comme un media type, mais dans HAL. Voilà, ça dit le type de données. Est-ce qu'il y en a d'autres en standard? En fait, non, c'est toi qui le fais. Mais tu peux sûrement utiliser des media types. Voilà, c'est pas un truc que je maîtrise énormément, mais en gros, c'est les queries. C'est URI. Si tu veux en savoir un peu plus. D'autres questions? Non, on va remercier beaucoup d'ailleurs.